Coucou mes chéris, bonjour. Aujourd'hui, on va réaliser des boucles en cuir, en tissu. On va réaliser du début jusqu'à la fin. On a besoin de tissu, on a besoin de carton. Vous êtes à la chaîne 4 bits astuces. 10 minutes top, c'est parti. On a besoin de la colle UHU. Vous pouvez aussi utiliser une autre colle, ça dépend de vous. On a besoin d'une paire de ciseaux. On a besoin d'un papier et d'un crayon à billes pour faire notre maquette. On a besoin d'une pointe. On a besoin des anneaux et des accroches. Donc voilà, on aura aussi besoin d'une pince pour resserrer nos anneaux à la fin. Voilà les accroches. Ce sont des boucles en cœur dont nous allons faire le design d'abord. Nous allons faire notre maquette sur un papier. Et pour réaliser la maquette, vous avez vu, je plie le papier en deux et je vais faire le cœur à moitié. Regardez bien comment je fais. Et quand vous voulez faire des designs, vous pouvez faire toujours les designs à moitié avant d'avoir votre design tout entier. N'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification. Voilà, nous allons découper notre design. À l'aide de notre paire de ciseaux, nous découpons. Je disais, ça c'est la maquette, hein. Comme je vous ai dit au départ, voici la maquette, notre maquette là. Vous pouvez trouver les anneaux sur le marché avec les accroches en paquet. Et le paquet varie selon les pays et selon les marchés. Mais moi je prends ma passe au Cameroun, je prends à Mokolo, entre 2000 et 2500. Donc vous tracez, vous allez calquer, on va calquer sur notre carton. Moi j'utilise le carton premier. Il y a d'autres qui utilisent d'autres cartons, mais moi je préfère le carton premier parce que ça me permet de réaliser facilement mes boucles à oreilles. Voilà, je dessine, je calque et puis je vais découper. On va faire comme ça, 4 pour les deux côtés. Regardez bien, c'est facile et c'est simple les amis. Très facile à réaliser. Ne jetez plus vos chutes de tissu, ne jetez plus vos cartons à la maison. Voilà. Donc simplement à la maison, on peut réaliser ces boucles. Même si vous n'êtes pas couturière, vous pouvez aller, quand vous arrivez chez la couturière, vous demandez le reste de vos chutes de tissu. Ça vous permet de pouvoir réaliser vos petits designs à la maison, que ce soit boucles, chaînes ou alors collier ou encore bracelet. Voilà, je vais coller mes cartons sur le côté envers, à l'envers de mon tissu, pas sur le bon côté. Je vais coller, voilà, je colle, je vais coller les 4. Voilà ça, je découpe. Après ça, je vais découper à 0,5 centimes. Je vais laisser juste 0,5 centimes. Voilà, on découpe tout simplement. C'est simple. Après ça, je vais cranquer. Pourquoi nous cranquons? Parce que ça va permettre de bien rabattre notre tissu. Si on ne cranque pas, on ne va pas facilement rabattre notre tissu. Je cranque et puis je vais rabattre tout simplement. Voilà, je vais maintenant commencer. Je mets un peu de colle sur les bordures. Je mets un peu de colle. Quand on met un peu de colle, on laisse sécher même 3 minutes. Voilà, on laisse sécher même 3 minutes. Après les 3 minutes, on va rabattre tout simplement. Voilà. Voilà, on rabat tout simplement notre tissu. Mais coucou, essayez à la maison, essayez de réaliser, filmez même vous m'envoyez, ça va très bien. Tout simplement, on va rabattre toutes les 4 pièces. Voilà, on rabat tout simplement. Et puis on coupe les excédents du tissu là. Après avoir rabattu, voilà, si vous avez votre carton et que le carton est très épais, vous n'avez pas besoin de coller les deux. Vous avez besoin de faire seulement un côté et après ça, vous mettez juste le tissu à l'arrière et vous taillez à fleur.
Mais comme mon carton n'est pas épais, je vais coller 2-2. Voilà, je vais mettre un peu de colle. Pas beaucoup, juste un peu et beaucoup plus sur les bordures. Je vais mettre un peu de colle. Je vais laisser 3 minutes. Après ça, je vais coller les deux. Mets un peu de colle. Mais coucou, essayez. N'allez plus au marché, acheter des choses. Vous-même, vous pouvez réaliser. Et ces boucles, pour des personnes qui connaissent vraiment, ça se vend entre 3 000 et 3 500 dans des grandes boutiques de wax. Donc, on colle les deux. Donc, vous pouvez même faire de ça votre business. Vous finissez de fabriquer, vous allez chez des couturières, vous ramassez des chutes de tissu. Vous rentrez, vous prenez votre carton, vous fabriquez, vous sortez vos designs et vous descendez sur le marché avec. Pendant la période du 8 mars, on réalise tellement de designs, on descend et puis on vend aux femmes. C'est simple. Et dans un carton, dans un paquet d'anneaux et d'accroches, vous pouvez avoir même 50 pièces. Vous voyez que avec ça, vous n'avez besoin que des chutes de tissu et puis les cartons se promènent partout. Donc c'est vraiment pratique, vraiment simple, vraiment à base de rien, on réalise des choses extraordinaires. Ça, c'est pour percer le trou, j'utilise une pointe. Moi, j'utilise la petite pointe. Ça me permet de facilement percer le trou pour faire passer l'anneau et l'accroche. Donc voilà, je perce encore un autre trou. Après ça, je vais faire passer mon anneau avec l'accroche. Tout simplement. Bon, pour mettre l'anneau et l'accroche, je vais d'abord essayer d'élargir le trou de l'anneau parce que ça vient vraiment resserrer. Bon, j'élargis avec une paire de ciseaux ou alors une pince. Je fais passer l'accroche, après je fais passer les deux dans mon trou. Après quoi, on va resserrer avec une pince. Voilà, je fais passer encore l'autre côté. C'est simple, c'est pratique. Par ma pince, je vais tout simplement resserrer l'anneau et l'accroche. Je vais resserrer. Vous voyez comment je resserre? Tout simplement. Ça ne vous prend même pas 10 minutes, mes coucous. Essayez vos boucles, essayez de faire vos designs à la maison. Vous voyez, je resserre. Je vais resserrer l'autre côté aussi. Je resserre l'autre côté. Et il faut vraiment être... C'est pointilleux. Il faut vraiment prendre du temps pour réaliser vos designs. Voilà nos boucles. Merci d'avoir regardé. Surtout abonnez-vous à ma chaîne.